Oui, bonjour à tous. Donc, c'est Guillaume. Je vais vous parler de la saison 94-95 des Girondins de Bordeaux avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir pour cette heure matinale pour ce beau sujet. Donc moi je suis Pierre, à l'instar de Guillaume, je suis un grand fan des Girondins. Voilà. Voilà, donc tu viens d'écrire un livre là sur les Girondins. Absolument, qui parle de la saison 2009 et de l'année civile 2009, intitulée Le dernier règne des Girondins, et qui revient de manière romancée sur cette merveilleuse année qui semble bien lointaine. Oui, mais qui va probablement revenir bientôt grâce à notre sauveur qui vient d'arriver des pays de l'Est il y a quelques jours. Albert Rira, bien sûr, qui a eu un discours très ambitieux et motivant en conférence de presse. Bon, j'attends de voir sur le terrain. Mais moi j'y crois. Jésus distribuait les pains et Albert Riera va distribuer les points. Superbe. Je présente le sommaire qui est inscrit sur l'écran. Donc, le contexte, la direction, l'entraîneur de cette saison, l'effectif, les péripéties en championnat, en Coupe d'Europe, en Coupe nationale, et le bilan et les perspectives donc, pour la saison suivante. Alors, le contexte. Je commence par dire que c'est la première saison que j'ai suivie quand j'étais. Enfin, ma première saison en tant que supporter du club. Donc, je venais de me passionner quelques semaines plus tôt pour la Coupe du Monde aux États-Unis. J'avais suivi beaucoup de matchs. Donc, c'était là où vraiment j'ai commencé à être vraiment accroché au football. Donc, à l'été 1994. Pardon, Oui. je te coupe, c'était une belle Coupe du Monde, mine de rien, aux États-Unis en 94. Enfin, je sais pas, mais moi, je regarde un bon souvenir. Ah oui, moi, j'ai adoré. Oui. C'est sûr. Hein. Que ce soit Et puis, les commentaires de Didier Roustan et d'Éric Cantona faisaient vivre les matchs de manière un peu plus intense. Ah, ça, j'ai moins de souvenirs de ça. Mais ah oui, j'avais adoré ouais, avec la Suède, la Bulgarie, qui avait éliminé, mais qui était super. Ouais. Le Brésil, qui n'était pas un Brésil super flamboyant comme on a pu connaître plus tard ou avant, mais qui était très solide et qui avait un joueur exceptionnel, c'était Romario. Et il y avait déjà le Ronaldo qui avait 17 ans, il n'est pas entré une seule seconde, je crois, mais qui était sacré champion du monde aussi. Oui, et c'est vrai qu'il marquait, le Brésil était plus marquant par sa solidité et après par ce joueur-là, mais c'est vrai que c'était pas une équipe avec beaucoup de génie, quoi. Mais au moins, il y avait quand même C'était pas. des joueurs solides. Ouais, c'était pas la grande éclate, mais bon, c'était efficace. Ah oui. Alors, le contexte. Donc, le contexte des Girondins. Voilà, le président des Girondins à l'époque, Alain Afflelou. Qui est né en Algérie française dans une famille juive en 1948, qui a eu un diplôme d'opticien, qui a ouvert son premier magasin Optica au Bousca en 1972, j'ai cherché, et adolescent, il payait 5 francs la place pour aller voir Bordeaux. Et donc, il y avait à ses côtés l'avocat fiscaliste. Jean-Didier Lange, un protestant bordelais de souche, qui était à la base d'un groupe qui a été créé en avril 91, à la fin de la présidence de Claude Bèze, un groupe d'une dizaine de notables bordelais qui se sont rassemblés pour sauver le club qui avait un déficit de 45 millions de francs. C'est une somme. Donc, dans ce groupe, il y avait Jean-Louis Triault. Dont on entendra beaucoup parler par la suite, évidemment. Et puis, il y avait aussi des gens Le qui s'appelaient. bénévole. C'est ça, ils sont tous bénévoles. Donc, il y avait Philippe Charron, les négociants en vin Eugène Raoult et Didier Vitrac, l'assureur Franck Allard, Jean-Jacques Lollet et Jean-Michel Caz. Bon, je les cite un peu comme c'est un peu comme les apôtres, finalement, le début d'une nouvelle ère qui allait nous conduire à la gloire. Enfin, peut-être pas à la gloire, mais à remonter la pente. Donc, ils Au réunissent. renouveau, ouais. Voilà. Alors, en avril 91, ils réunissent 20 millions de francs et ils convainquent ainsi le tribunal de grande instance de leur céder les destinées du club. Et donc, Alain Afflelou, donc, qui était déjà très riche grâce à
ses activités optiques. Donc, il est président. Et donc, il crée une société anonyme à objets sportifs pour mener le projet. Donc, elle est possédée par l'association Girondins de Bordeaux. Jean-Didier Lange convainc donc ouais, Alain Flelou de s'investir pour à la tête de ce projet. Donc, ça, c'est 3 ans plus tôt, la saison 94. 3 ans avant, pardon, la saison. Mais bon, voilà, bon, c'était pour rappeler quand même le contexte des dirigeants à l'époque. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, donc oui, j'avais mis un drapeau, un tifo de décembre 94, puisqu'à l'époque, il y a le collectif Virage-Sud dans le parc, donc au stade de l'Escure, au stade municipal. Donc il y a les Ultramarines Bordeaux qui ont 680 adhérents à l'époque, en 94. Et il y a les Devils Bordeaux 90 qui ont été créés en 90, comme leur nom l'indique. Donc voilà, pour rappel, les Ultras sont issus des succès des années 80 et du développement européen du mouvement Ultra. En avril 1985, la visite des supporters turinois à Bordeaux pour le match retour de la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avait fasciné certains jeunes supporters. Et au match retour, ils avaient eu quelques problèmes. Ils s'étaient fait piquer tout leur drapeau, je crois, ou beaucoup, à Turin. Et donc, ils avaient vu qu'il fallait s'organiser, sinon ils allaient être souvent embêtés, apparemment. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé les Ultras, parce que sinon, c'était dur d'être supporter à ce moment-là. Voilà, bon, bah ça, c'est première bâche des Ultramarines le 5 août 1986 contre Metz. Voilà le contexte des supporters. Alors, en cet été Si tu regardes, 1980. Guillaume, je te coupe 2 secondes. Si détail inintéressant Oui. et anodin, mais si tu regardes la photo, tu peux voir des grands filets qui Tout à entourent le fait. terrain et qui ont été. Enfin, on a connu le stade comme ça quand on y a été, toi en 94, 95 et moi en 96, 97. Et ces filets ont été enlevés pour la Coupe du Monde 98. Voilà. Là, sur cette photo, on aperçoit l'hôpital Pellegrin au fond, que tu connais bien. Ensuite, bon, là, on voit le logo, enfin, la tête de diable des Devils à gauche, et à droite, les Ultramarines, toujours leur même personnage, que je ne sais pas qui est-ce qu'il représente. Mais Mais bon. il fait un petit peu Oncle Sam, tu sais, Oncle Sam qui te Ah pointe du oui. doigt. Ah oui, I Je sais want pas, you. c'était le pauvre. Oui, c'est vrai. Ben oui, ça doit y avoir sûrement. Ouais, pas sûr, mais bon, c'est une interprétation libre. Qui en vaut une autre? Oui, non, bah si, ça doit être inspiré quand même. Ouais. Alors, je passe à la politique. Oui, donc François Mitterrand est alors président de la République avec Monsieur Édouard Balladur comme premier ministre. Donc, c'est une cohabitation gauche-droite. Voilà. Et bien sûr, voilà, le Brésil vient de gagner la Coupe du Monde de football de la FIFA aux États-Unis. Et voilà, et l'on reconnaît au quatrième en partant de la gauche, eh bien Márcio Santos, bien sûr, voilà, qui soulève, enfin, qui se réjouit de leur victoire. Alors, ça a Il était été le. titulaire pendant la compétition, il me semble, hein. Oui. Et il a été le seul joueur de la finale. Donc, à l'époque, il joue à Bordeaux. Et ça a été le seul joueur de la finale à rater son tir au but côté brésilien au stade Pasadena à Los Angeles. Mais bon, ils ont gagné quand même. Voilà. Contre l'Italie de Baggio, Baggio et Maldini. Et j'ai pas fait d'erreur, il y a bien deux Baggio dans l'équipe. Il y a Dino, Ouais. milieu de terrain, et Roberto. Voilà, et Et c'est Robert. pas, ouais, c'est pas quand tu... et Robert, c'est pas une équipe non plus d'Italie friolante. Hein. C'était sérieux. Hein. Bon, il y Ouais, avait Albertini, Donadoni, Massaro qui est un attaquant abominable qui joue au Milan AC, et une défense solide avec Maldini Baresi en charnière centrale et Roberto Mussi qui était attaquant, je crois, à la base et qui joue arrière gauche là sur la feuille de match que j'ai. et moi, ça m'a Pas du marqué tout, il parce était que. défenseur. Pas du tout, Hein? attends, excuse-moi, je te coupe, il était pas du tout, il était, je te pensais qu'il était attaquant et pas du tout, il était défenseur central ou latéral droit. Comme quoi. Ouais, tu sais, s'il n'est pas très technique, ça, c'est presque pareil. Hein?
Ouais, donc c'est vrai que ça m'a marqué et finalement j'ai toujours préféré qu'une équipe gagne, peu importe comment elle joue. C'était l'époque des années 90 où les footballeurs, c'était la Serie A qui était le meilleur championnat et on préférait la victoire au style de jeu et à la beauté technique. Ça m'a marqué. Donc voilà, alors Marcio Santos a quitté les Girondins pour la Fiorentina. Et on peut ajouter au niveau des mutations que, pour revenir à Bordeaux, donc en 1994, à l'été, Marcel Dib quitte les Girondins pour rejoindre l'Olympique de Marseille en deuxième division. C'est Stéphane pas vrai, oh Ouais. mince. Eh oui, ils étaient en deuxième division à l'époque. Eux aussi, ils y sont passés, mais bon, ils y sont restés que 2 ans, donc je crois, donc il ne faudrait pas qu'on traîne trop non plus. Non, mais en plus, eux, ils ont fini 2 fois champions. Première année, ils finissent premier, mais ils ne pouvaient pas remonter parce qu'ils avaient une suspension de 2 ans suite à l'affaire VAOM. Ouais. Et je crois qu'ils font 2 fois premier, voilà. Ce qui n'est pas notre cas. Ah non, d'ailleurs ça c'est sûr. Ouais. Au moins on fera une fois maximum et encore. Et donc il y a aussi Philippe Verdier. Bon, déjà, on fait 1 fois 13e, c'est déjà bien. Ouais, troisième, voilà. Philippe Verdier 16e, part avec à Metz. un. Hein? Comment? 13e. 16e, c'est comme 3e avec un 1, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a un 1 quand même. On est premier dans notre. Voilà. Bon, bah, Philippe Vercruis part de Bordeaux pour Metz et Stéphane Paille part en Suisse, je crois. Mais ça, faudrait vérifier, je ne suis pas sûr. Donc, Je vais Bordeaux va. contrôler. Ouais, voilà, il bah, faudra vérifier. Bordeaux va jouer avec un maillot rouge Bordeaux sans scapulaire, avec de fines bandes verticales bleu foncé. Et les supporters se demandent pourquoi le scapulaire a de nouveau disparu, comme dans les années 80. Oui, donc 3 ans plus tôt, en 1991, le 28 septembre, dans un bulletin distribué avant le match, lors de la 12e journée entre Bordeaux et Mulhouse, le président Alain Flelou explique: Vous allez découvrir vos Girondins dans une nouvelle tenue, ou plutôt sous de nouvelles couleurs. Quand j'ai annoncé ce changement il y a 2 mois, nous avons eu des réactions souvent positives, parfois négatives, mais ce soir, vous pouvez enfin juger par vous-même. Pourquoi avoir changé? Tout simplement parce que Bordeaux est pratiquement la seule ville au monde qui désigne trois choses à la fois: une ville, une couleur et le vin. Alors, il semble logique que l'équipe des Girondins de Bordeaux joue en Bordeaux. Ce qui fait la tradition du maillot, c'est le fameux scapulaire, le chevron, le V sur la poitrine du joueur. Ce symbole, nous l'avons non seulement conservé, mais en plus mis en valeur par la couleur vieil or et par la suppression de tout autre motif, mis à part la présence de nos sponsors, évidemment. Bon, là, ça ne correspond pas au maillot qui est à l'image, hein, mais bon. Voilà, je voulais lire le texte de Monsieur Afflelou. Ça se Alors, tient comme raisonnement quand il pense bien. oui, bah, bon, c'est vrai que si on gagne avec sans scapulaire, ça ne me dérange pas trop. Hein, mais... C'est vrai que, ouais, c'est... Il y a eu pas mal de maillots sans scapulaire aussi, finalement. Ouais, au fil du temps. Alors, donc oui, le président. Ensuite, nous avons, donc ça c'est l'effectif, oui, voilà, de la saison. Et là, on passe à... non, il m'en manque un. Il est où? Ah, voilà. Oui, donc Tony est l'entraîneur de l'équipe de la saison 94-95. Il vient de remporter le championnat du Portugal avec le Benfica de Lisbonne. C'est Charles Camporo, directeur sportif du club, qui a conseillé cet entraîneur. Voilà. Alors, on va passer à l'effectif. Gaëtan Huard et Lionel Pérez dans les cages. Donc, ils sont. Tiens, je vais peut-être mettre ça là, ça sera mieux. Hop. Voilà. Gaëtan Huard, Lionel Pérez dans les cages. Lui, c'est le remplaçant. Gaëtan Huard a le record d'invincibilité pour un gardien de but en championnat de France, 1176 minutes, ce qui fait à calculer vite, ça fait 13 matchs, je crois. Bon, j'ai compté un Je peu dirais après. 12, ouais, Ouais, quelque 12 chose ou comme ça. 13 matchs sans but. Donc voilà, il a 31 ans, un gardien d'expérience. Lionel Pérez est né à Bagnols-sur-Cèze dans le sud de la France, il a 27 ans.
Jean-Luc Dogon est né en Normandie, il est au club depuis 5 ans. William Prunier, un ancien Marseillais natif de Montreuil, vient remplacer Marcio Santos. Didier Sénac, le capitaine, présent depuis 1987, il a 35 ans. Donc ça, c'est les défenseurs centraux. Ensuite, Gronet qui commence sa carrière depuis quelques années. Et donc, voilà, un Basque, arrière droit. Yannick Fischer, arrière droit. Voilà, né à Sainte-Foy-la-Grande. Il vient juste de commencer aussi quelques mois plus tôt. Voilà, Geoffrey Toys. Voilà, né à Bordeaux, latéral aussi. Laurent On Crossi. avait un centre de formation. Pardon, je te coupe, Guillaume. On avait un centre de Oui. formation qui fonctionnait pas mal, hein, Ah parce que oui. Grenet, Fischer et Toy sortaient du centre et ils ont fait des carrières. Grenet, il est champion de France avec Bordeaux. Toy, il part à Metz, il est vice-champion de France en 98. Fischer, il joue à Marseille ensuite, il fait la Ligue des Champions. C'était pas mal. Et il Oh gagne une Coupe de France aussi avec Lorient. Ah ouais, ils ont toujours. Oh ouais, il y a toujours eu des bons joueurs. Et puis, ouais. Alors, Laurent Crossi, voilà. Laurent Crossi, 29 ans, né à Montbéliard, défenseur au milieu défensif. Bon, Lisa Razou, bien sûr, que tout le monde connaît. International français de 24 ans. Déjà en bleu depuis longtemps. Voilà, j'ai fait des rimes. Alors, Guérite Gentil-Niortais de 30 ans. Vif, habile et intelligent. Philippe Lucas, obscur travailleur, né à Saint-Cloud il y a 30 ans, 30 ans plus tôt. Il n'est pas l'entraîneur de natation. Ce n'est pas l'entraîneur de Lormanodou, je précise. Ils n'ont pas la même coupe de cheveux. Voilà, c'est vrai que nous, on connaît mieux celui-là, Philippe Lucas, que l'autre. Mais oui, pour le commun des mortels, l'autre est plus connu. Le natation, le nageur. Daniel Dutuel, le Corrézien, de 26 ans. Un autre joueur du centre de formation, Jean-Yves de Blasis, qui commence, bon, qui est dans le club là, mais bon, il ne va pas jouer de la saison. Laurent Fournier aussi, dur sur l'homme, un Lyonnais qui vient tout juste d'arriver. Jean-François Daniel, né à Sospel. Ah, voilà, un autre qui fera moins une grande carrière, Raphaël Camacho. Bon. Né à Bordeaux, 19 ans plus tôt. Voilà. Jean-Philippe Vercruis. Alors lui, il est là, mais il va partir très vite. Voilà, il ne sera pas là pour la saison, il part à Metz. Richard Witschge, donc international batave. Gaucher tempétueux, capable du mieux. Voilà. Ensuite, Zinedine Zidane, donc il entame sa troisième saison à Bordeaux à 22 ans. Voilà, notre buteur, c'était à Qui est l'époque. Oui, attends, oui. Guillaume, il est néo-international au début de la saison, Ah non, 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 puisqu'il est attention, je sélectionné pour viens. la première. Oui, vas-y, oui, pardon. Je t'embête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Vas-y, passe? ouais. Il est néo-international puisqu'il fait sa première sélection au début de la saison 94-95 à Bordeaux contre la République tchèque. Petite sélection où il se mettra un petit peu en valeur, puisque la France est menée 2-0, il rentre en jeu, il marque deux buts, et match score final de partout. Tout à fait, ça va être dans Donc le cœur on de. peut dire que c'était le futur Marvin Martin, puisque Marvin Martin avait fait pareil pour sa première sélection. Voilà, c'est ça. Ils ont beaucoup de points communs. Ouais. Ils n'ont pas que des points communs, mais ils en ont. Ils en ont. Alors, Valdeir, buteur, vient de Guyana. Il avait déjà fait une saison 2 ans plus tôt. Voilà. C'est un buteur. Notre autre buteur, Anthony Bancarel, qui nous vient de Rodez à Millau. Oula, j'ai du mal. Qui nous vient de Millau dans l'Aveyron, pardon. International A prime. Bon, il frappe toujours entre les buts ou pas. Bon, des fois, il tire au-dessus aussi. Bon, ça arrive, hein. Oui, je trouve. Apparemment, ils ont retrouvé pas mal de ballons envoyés par Bancarel sur les boulevards, paraît-il, cette saison-là. J'ai vu ça dans Ouais. le Sud-Ouest. Il avait une réponse. Oui, c'est vrai qu'il souvent il cadrait pas. Hein.
Et il y avait aussi des pigeons qui mouraient subitement aux abords du stade. Bon, écoute, la légende dit que c'est ça. Ben, la LPO a porté plainte, mais ça a été classé sans suite. Paraît-il. Alors, Christophe Dugarry de Lormont. Voilà. Bon, lui aussi, hein, tout le monde connaît. Déjà international depuis longtemps, alors qu'il n'a que 21 ans. Enfin, Bah, 20... il est, alors, il est international depuis quelques mois parce que je ne sais pas si tu te souviens, juste avant la Coupe du Monde 94, bah, où, à laquelle la France ne participait pas, il y avait ce qu'ils appelaient une compétition qu'ils appelaient la Kirin Cup au Japon, Oui. que la France avait disputée et remportée, et Dugarry avait fêté sa première sélection à cette occasion, contre l'Australie, je crois. Ouais, il y avait pas mal de joueurs, ouais, nouveaux, je crois, dans cette équipe-là, cette équipe de Bah, France. c'était le renouveau après la catastrophe contre la Bulgarie. Houllier est parti, Jacquet est arrivé, et puis avec de nouveaux joueurs. Donc Dugarry en faisait partie. Ouais. Alors, attaquant suivant, Franck Istiol, un Forbakois de 21 ans. Et donc, bon, ben, on va jouer contre Forbach cette saison-là, d'ailleurs, en Coupe de France. Et enfin, en attaquant, dernier, Youssouf Fofana. Voilà, un Ivoirien qui était soi-disant rapide et précis. Un ailier, ouais. Ailier gauche. Voilà, alors Bordeaux est européen cette saison et on espère tous qu'on va aller loin en Coupe d'Europe. Donc la première journée, c'est le 28 juillet devant 20 000 personnes au Parc Lescure face à Nice. Donc l'équipe, je ne vais pas vous donner toute l'équipe. Bah, si, y a... Qu'est-ce qu'on peut dire sinon que bah, c'est Didier Sénac, oui, voilà, Didier Sénac, qui va inscrire le seul but de la rencontre à la 73e minute et on va gagner 1-0. Voilà. Deuxième journée, on va à Montpellier et là, on va jouer donc contre Montpellier. On gagne 1-0 enfin, sur un but de Dugarry. 3 jours plus tard, on va au le 5 août. Ouais, enfin, 3 jours. Ouais, c'est ça. Oui, ça a commencé tôt, vite la saison. Le 5 août, on va à Martigues. On reçoit Martigues, par contre, pardon. Et là, ça se passe, il y a un partout. On fait un partout contre Martigues avec un but de Didier Tolo pour Martigues. Ensuite, on va à la Route de l'Orient, au stade de la Route de l'Orient contre Rennes. On perd 2-0. Dugarry est expulsé. Là, comme tu viens de le dire, le 17 août au Parc Lescure à Bordeaux, eh bien. La France rencontre la République tchèque de Sucho Parek, Němeček, Poborský et Kuka. Cantona est capitaine, Dugarry est aux côtés de David Ginola en attaque, Lizarazu est sur le banc, il va rentrer en deuxième période, et donc comme tu l'as dit, Zidane entre à la place de Martins à la 63e, et il marque à la 85e d'un tir lobé de 25 mètres, après un slalom sur la droite. Et à la 87e, il marque encore de la tête. Voilà, une belle première comme Marvin Martin quelques années plus tard. C'est la marque des grands. Voilà, c'est ça. Et ouais. Et là, le 20 août, au Parc Lescure, ensuite, je vais pas faire tous les matchs, mais j'en fais encore quelques-uns. Le 20 août, au Parc Lescure, il y a la 5e journée contre Saint-Étienne, devant 18 000 personnes. Nous gagnons 2 buts à 1 sur des buts de Valdeir et Zidane, contre un but de Roland Wolffart. Voilà. Alors après, ça va commencer à se corser parce que la saison ne va pas être très facile. Donc on perd 2-0 contre Cannes à domicile. Et ensuite, fin le 31 août, on va faire match nul au Havre. Alors je m'arrête sur ce match puisque c'est le premier match que j'ai écouté à la radio sur Radio France Bordeaux-Gironde, donc l'ancêtre de France Bleu. Je rentrais de la plage avec mes parents. Ce soir-là, je rentrais de l'océan. Et donc, on avait mis ce match. C'était Xavier Giraudon qui commentait. Et voilà. Et ensuite, je suis devenu un fidèle auditeur de cette radio et de 8FM aussi. Donc, il y avait comme commentaires au fil des années Éric Barrère, Alain Baudron, notamment. Ça, ensuite, on perd 2-1 contre Lens à domicile.
Puis, le 13 septembre, on arrive en Coupe d'Europe. Premier tour. Nous jouons contre Lillestrøm, un club suédois créé en 1917, et nous gagnons 3-1. Donc, ensuite, deux victoires face à Sochaux à l'extérieur et Strasbourg à domicile. Puis, on va gagner à Lillestrøm et on se qualifie pour le tour suivant en Coupe d'Europe. Et là vient le fameux match contre le FC Nantes le 1er octobre pour le 113e anniversaire des Girondins de Bordeaux. Les joueurs du Port de la Lune se rendent au stade Louis Fontenot de La Beaujoire pour le derby de l'Atlantique. Ils vont affronter Nantes qui a été fondée en 1943, qui fait un superbe début de saison, premier depuis la sixième journée. Oui, 30 000 personnes sont au stade. Ce sera l'affiche de l'émission de Téléfoot le lendemain matin, qui sera présentée par le journaliste nantais Pascal Praud. Et ce soir-là, les joueurs au maillot Bordeaux, short blanc, chaussettes Bordeaux sont Huard, Crossi, Prunier, Sénac, capitaine, Lizarazu, Fournier, Jean-François Daniel, Dutuel, Vitchgueux, Zidane et Dugarry. En face d'eux, ils ont Dominique Casagrande, Decroix Eric, Le Disait Serge, Pignol Christophe, Carambeu Christian en défense, Jean-Michel Ferry, Claude Makélélé, Pedro Srenald et Japhet Endoram au milieu, et Patrice Loco et Nicolas Wedek devant. Donc ils n'ont toujours pas perdu de match. Alors, c'est un match Et très d'ailleurs, difficile. ils vont faire une. Attends, ils vont Oui, faire une vas-y. série de matchs, une série d'incivilités, je crois, c'est 32 matchs. Parce qu'ils vont. C'est la saison où ils sont champions, Nantes. Avec le jeu à la nantaise, le trio, Loco, Wedek, Pedros, Endoram, qui était un joueur incroyable, des joueurs comme Carambeu, Makélélé. Et ils vont donc enchanter. La saison de leur football, parce que bon, j'ai beau ne pas aimer Nantes, mais c'était quand même assez impressionnant à voir. Football basé sur le mouvement, les déplacements, les appels de balles. Et donc Nantes sera invaincu jusqu'à un match à Strasbourg, qui était une équipe bien coriace et bien pénible. Et voilà. Donc je Tout crois à qu'ils font fait. 32 matchs sans défaite. Oui, c'est ce qui est indiqué là dans l'article de Ouest France que j'ai mis. Ils mettent invaincu pendant 32 journées. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Bonne mémoire, Pierre. Non, C'est j'avais un une fiche record. avec marqué 32 matchs. Ouais. Bon, donc, c'est un match difficile. Les Nantais ont des occasions. À la 25e minute, Dugarry est averti. Puis c'est Didier Sénac qui a encore averti. Coup franc pour Nantes à la 36e. À la 38e, Pignol marque sur un coup franc dévié par Zidane. À la 52e, Éric Decroix est averti. Nantes domine toujours. Et mais Dugarry égalise. Ah non, il n'est pas d'égalisation. Le but est étrangement refusé par l'arbitre. Et à la 69e, Wedek marque. Donc il y a 2-0 pour Nantes. Et à la 75e, Fofana réduit l'écart. Puis à la 77e, Bordeaux égalise par Zidane. Donc il y a deux partout, donc c'est très bien. Bordeaux ne sera pas battu par Nantes. Sauf que à la 86e, l'arbitre siffle un pénalty pour Nantes suite à une faute de Jean-François Daniel. Et Guéguette, le surnom de Jean-François Huard, qui est très en colère. Gaëtan. Ah oui, que j'ai dit quoi, Jean-François? Jean-François. Jean-François Huard dit Gaëtan. Bon, Gaëtan Huard est Et expulsé du tu sais match. que tu fais. Tu sais que tu fais. Attends, tu fais un commentaire à la Pascal Praud parce qu'il est incapable de dire et le prénom correct et le nom de famille correct d'un joueur. Donc c'était, comme tu disais, Jean-François Gaëtan, Sébastien Zidane. Ali Dugarry, enfin, il était incapable de retenir les noms, quoi. C'est un hommage parce Donc, que bel hommage. ouais, c'est un hommage que je lui rends parce que c'est un modèle de journalisme et d'éthique. Oui, Et il de a très beau déontologie costume, d'ailleurs, en effet. j'ajouterais. Et Donc il a un très fort beau hommage. costume. Voilà. Et un talent fou. Donc, donc Gaëtan est expulsé hein, par l'arbitre. Lionel Pérez, le gardois, le remplace. Plutôt, il remplace Laurent Crossi et il vient dans les cages de Bordeaux. Mais hélas, il n'arrête pas le pénalty de Japhet Endoram, le Tchadien. Et Tony, sur le banc, motive ses joueurs. Et le miracle a lieu.
À la 94e, Dugarry, d'une reprise de volée à l'entrée de la surface, bat Dominique Casagrande. Un but d'anthologie. Les supporters bordelais exultent dans leur parcage et ils conchient les supporters ligériens. Supporters, donc, le match se termine par un score de 3 partout. Voilà, donc, Il gros. faut préciser que le but de Dugarry est exceptionnel, comme tu l'as dit, parce que Lizarazu fait une transversale de 50 mètres depuis le camp des Girondins. Et Dugarry, il réalise un geste technique incroyable parce qu'il ne quitte pas le ballon des yeux. Il est à l'entrée de la surface. Et il met une espèce de patate de l'extérieur du pied, enfin en reprise de volée, qui laisse Marot complètement pantois, quoi. C'est un but, un geste technique extraordinaire, comme dirait Aimé Jacquet. Oui, et c'est vrai que Dugarry a mauvaise réputation, mais il a quand même mis des beaux buts au cours de sa carrière. Et c'était un bon joueur à l'époque. Enfin, il était polémique, enfin, il était un peu controversé, mais globalement, c'était quand même un des grands attaquants de France. On ne peut pas non plus lui enlever ça, quoi. Ah oui, puis. Ah non, non, mais c'était un joueur techniquement très bon, jeu de tête de niveau mondial, comme Arwen Chabak d'ailleurs, qui était peut-être pas assez tueur devant le but, mais qui avait une bonne frappe de balle. Non, non, c'était un bon joueur, Dugarry, attention, hein, j'aimerais bien l'avoir à Bordeaux de nos jours. Oui, parce qu'en fait, après, il y a eu soit dit, comme c'était un ami de Zidane, on a dit, voilà, il est pistonné par Zidane, mais ça, c'est une réécriture de l'histoire, ça. Oui, c'est juste que Aimé Jacquet met bien fonctionner par paire ou par trio de joueurs complémentaires. Donc, Dugarry avec Zidane et Lizarazu, en raison de leurs années bordelaises, étaient très complémentaires sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'il a été pris. Parce qu'après, si tu prends ses performances avant la Coupe du Monde, il revient d'un transfert à Marseille, enfin d'une expérience à Barcelone, pardon. Il vient à Marseille, il a un peu la queue entre les jambes et c'est pas la meilleure saison de sa vie, disons. Oui, c'est vrai. Oui, donc suite à ce match face à Nantes, Bordeaux enchaîne, n'arrive pas à enchaîner et perd 3-0 contre Monaco en championnat. Puis fait match nul à Bastia et ensuite se rend en Pologne le 18 octobre à Katowice. Un club aux couleurs jaune, vert et noir, fondé. Alors, c'est où? Voilà, non, c'est là. Fondé en 1964. Donc, il y a 7000 personnes au stade GKS Katowice. Mais hélas, les Polonais gagnent 1-0 sur un but à la 87e. Et donc, voilà, il y a un site polonais qui rappelle que Zidane est venu le 18 octobre 1994. Ah, voilà. Oui, ensuite on enchaîne avec une victoire 3-2 contre Metz le 22 octobre à l'Escure, puis un match nul à Lyon, un partout. Et ensuite, eh bien, c'est l'élimination en Coupe d'Europe face suite à un match nul, un partout contre Katowice. Donc éliminé rapidement. Voilà. On est éliminé de la Coupe de l'UEFA et Tony est inquiet pour son avenir. Bon. Le 6 novembre, Bordeaux accueille Auxerre et l'emporte 3-1 face à une très bonne équipe d'Auxerre. Puis, Auxerre, c'est où? Auxerre. Voilà. Donc ensuite, 9 novembre pour la 17e journée à Caen. Caen l'emporte 4 à 2. Oui, Crossi est prêté au FC Sochaux jusqu'à la fin de la saison le 18 novembre. Ensuite, on gagne contre Lille 1 à 0. Et pour la 19e journée, donc la fin des matchs aller, on se rend au Parc des Princes devant 44 000 personnes. Et les champions de France en titre font match nul 0-0 contre Bordeaux. Voilà, on passe au match retour. Metz, non, contre Montpellier, on gagne 2-0. Contre Martigues, on perd 1-0 là-bas. Et c'est la trêve des confiseurs. Trêve des confiseurs.
Nous sommes éliminés le 3 janvier par Châteauroux en Coupe de la Ligue. À ce moment-là, il y a une petite crise. Jean-Didier Lange rencontre Alain Fleloup à Paris. Alain Fleloup reconnaît qu'il a du mal à concilier vie professionnelle et direction du club. Jean-Didier Lange, son conseiller fiscal, plutôt responsable de la formation et du secteur amateur, est aux manettes au château du Haillan. Et donc les joueurs ne voient pas beaucoup le propriétaire qui donne chaque année 5 millions de francs au club. Et les footballeurs, en fait, certains joueurs regrettent Roland Courbis. Vicente Lizarazu estime que Bordeaux est un navire sans capitaine. Il explique ça dans les journaux de l'époque. Donc début janvier, difficile pour Bordeaux. Mais bon, là, on gagne 2-1 contre Rennes début janvier, donc on se remet un peu mieux. Voilà, alors, c'est où? Ouais, voilà. Le 14 janvier, on va passer à les 32e de finale de la Coupe de France contre Forbach, un club de l'Est de la France, fondé en 1909 et qui évolue en National 3. Donc je me rappelle d'avoir écouté ce match à la radio. C'était assez mythique. Dans le froid, on imaginait les joueurs quasiment sous la neige et tout. Moi, j'étais dans ma chambre à écouter ça sur mon petit poste. Et donc, victoire 4 à 2 de Bordeaux avec donc Istiol, le natif de Forbach, qui joue. Pour l'anecdote politique, le 18 janvier 1994, le gouvernement français instaure un visa préalable pour tout Comorien souhaitant se rendre dans l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. C'est le fameux visa Balladur, enfin fameux. Là, ce qui est très connu à Mayotte, mais bon, ici en France n'est pas très connu. Mais c'est ça qui fait que il y a beaucoup de sans-papiers qui risquent leur vie pour aller à Mayotte, parce que il faut un visa pour aller à Mayotte, alors qu'avant, il n'y avait pas besoin de visa. Bon, ça, c'est la petite anecdote personnelle. Alors, le 21 janvier, pour la 23e journée, Bordeaux perd 2-1 contre Saint-Étienne dans le Forez. Ensuite, Bordeaux perd 2-0 à Cannes. Et là, ensuite, en Coupe de France, le 4 février, nous allons à Mont-de-Marsan, dans les Landes, et nous gagnons 2-1 devant 11 000 personnes. Voilà, quelques jours plus tard, la Ceita Society. Guillaume, Pardon. Oui. je te coupe. Ce match à Mont-de-Marsan, c'est pas ce match où il y a un but hyper litigieux où le ballon en fait sort en 6 mètres et rentre dans le but par un trou dans le filet. Il n'y a pas quelque chose comme ça à Mont-de-Marsan? Je ne sais pas Je crois que si c'est une ce tête sur la match-là fin. ou un autre, un match plus tard contre Mont-de-Marsan. Est-ce que c'est cette édition-là? Ça, il me semble, hein, il me semble. Mont-de-Marsan, Bordeaux, c'est quoi, 95, c'est ça? Ouais. Coupe de France. Il me semble que c'est ce match-là, hein, litigieux. C'est pas 10 ans après ça? Peut-être, hein, peut-être. Oui, c'est ça. C'est ça parce qu'il y a un article de Sud-Ouest qui dit, avec un titre assez intéressant, le jour où le Stade Montois a perdu un partout face aux Girondins de Zidane. Tu vois, ah oui, c'est ça. C'est ce match-là. Donc c'était évidemment Monsieur Colombo, hein. Un des as du sifflet français. Et c'est non, c'était Dutuel qui met une tête. En fait, il faut expliquer à nos auditeurs. Il y a une tête donc de Dutuel. Il met son coup de tête. Le ballon sort en 6 mètres à côté du poteau, à l'extérieur du poteau du but de Mont-de-Marsan. Sauf qu'il y avait un filet. Il y avait un filet qui était troué au niveau de sa base. Ce qui fait que le ballon a roulé sur le filet. Sous le filet, il est passé à travers le trou et il est rentré dans les buts. Et l'arbitre, avec sa dextérité et La son vista. comment dire, sa vista et son discernement légendaire, a validé le but. Et Colombo qui portait mal son nom, hein, d'ailleurs. Enfin bref. Élucidait pas beaucoup d'affaires. Il avait Mais un bon peut-être sens de que jugement. il n'avait pas la même gabardine. Enfin bref. Oui, c'est vrai que ouais, grand moment aussi. Ouais. Je pensais que c'était plus tard que ça. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Alors, voilà. Donc. Nous perdons 2 jours plus tard, parce qu'à l'époque ça enchaînait. Hein, là, on avait joué le 4 contre Mont-de-Marsan, et donc le 8, oui, bon, 3 jours plus, non, 4 jours plus tard, on joue contre Le Havre à l'Escure et on perd 1-0.
Ensuite, on va à Lens, on perd 2-1. Et là, le sort de l'entraîneur portugais Tony ne tient qu'à un fil. Le 18 février, pour les huitièmes de la Coupe de France, au stade de l'Abbé Deschamps, donc comme vous le voyez sur l'écran, on gagne 2-1. Et puis ensuite, on gagne 2-1 contre Sochaux en championnat. Et là, on reçoit ensuite le 10 mars le FC Nantes, leader incontesté du championnat de France dans un stade de plein, 32 500 personnes. Et on fait un partout. Donc contre Nantes, cette saison-là, on n'aura pas été inférieur à Nantes. On peut dire qu'on est quasiment champion, en fait, finalement. Ce qui veut dire qu'on avait le niveau du champion, il fallait juste le vouloir, quoi, voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, on peut s'attribuer un titre supplémentaire. Hein. Ouais, je pense. Oui, moi aussi. Ouais. Alors là, on passe un grand moment de la saison, justement, avec le 18 mars. Pour les quarts de finale de la Coupe de France, nous nous déplaçons chez nos ennemis strasbourgeois, puisque donc à l'époque, on était très proche des supporters de Mulhouse, un club du Haut-Rhin, et que Strasbourg étant l'ennemi de Mulhouse, ben, nous, on était ennemis de Strasbourg. Et ce match-là ne va pas trop arranger les choses. On n'est pas trop... Pas de pub, pas de Ouais, pas de pub. marque, pas de pub, rien. Ouais, Donc là, s'il te plaît. donc c'est un match où on résiste, avec Rémi Harel au sifflet, né à Saint-Dizier en Haute-Marne en 1954, comme moi d'ailleurs. C'est toujours bien de le préciser. Voilà, Ah, je suis je né à sentais. Saint-Dizier. Donc, Ça va trancher. c'est un match difficile. À la 80e, Gaëtan Huard est abusivement expulsé. Les Strasbourgeois poussent. Bordeaux joue à 9 parce que Dogon est expulsé à la 18e. Donc on est 9 contre 11. Et on accroche les prolongations. Mais à la 99e, Alexander Mostovoi, le russe, le soviétique, comme dirait Roger Lemaire, le soviétique oblige Lionel Pérez ramasse le ballon au fond des filets sur un but de Mostovoi. À la 110e, l'arbitre accorde un pénalty à Strasbourg. Et. William Prunet pète les plombs. Il est expulsé injustement par l'arbitre, toujours à la 110e minute. Non mais c'est quoi ce bordel là? Et Sérieusement? William Prunet. Quoi, ils sont à 8 quoi, ils sont à 8 contre 11. Donc, dans une ambiance totalement détendue et calme, Franck Sauzet inscrit un pénalty. Absolument. Et j'imagine qu'il est inscrit en finesse son pénalty, Sauzet, parce que Voilà, c'est un ça. joueur réputé pour ça, faible frappe de balle. Donc Bordeaux est éliminé par le RC Strasbourg sur le score de 2 buts à 0. Tony est furieux. Messieurs Afflelou, Lange et Michelena sont furieux. Messieurs Camporo, Benguigui et Dropsy sont furieux. Et voilà, triste soirée en Alsace. Triste soirée chez la réserve de Chelsea, comme on dit de nos jours. Mais bon, c'est une autre histoire. Oui, et puis Strasbourg, quand tu parlais de l'antagonisme entre les supporters, il faut aussi savoir que Bordeaux, quand ils sont en Ligue 2 en 92-93, ils sont à la lutte avec Strasbourg pour la montée. Et ça avait donné lieu à des matchs épiques. Ou hippique même, avec beaucoup de... Épique et Collégramme d'ailleurs. Ouais. Ouais, donc retournons à nos moutons, notre train-train quotidien du championnat. Nous nous faisons éclater par Monaco au Stade Louis II le 22 mars. 6 buts à 3, sympathique promenade Et de si tu notes santé. bien, si tu notes bien, Monaco, on a souvent pris des valises là-bas. Hein. On avait pris un 5-2 en 98. C'est toujours vers la fin du championnat, tu ne sais pas si les joueurs savent qu'il n'y a plus rien à jouer. Parce que là, je vois, c'est la 30e journée, donc il reste encore 8 journées. Mais on a souvent pris des volées à Monaco. Hein. Oh, mais Après, oui, on a mis des oui. branlées aussi. Tu te rappelles l'année où on était à l'entraînement au Racing Club de Bordeaux? Et je crois qu'on 2-0. gagne 4-0 non là-bas 2-0. en 2000 ou je sais plus. Non, 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 2-0. C'est en 98. Ouais, je sais plus. Oui, on gagne 2-0. On gagne 2-0 vu de Lilian Lasland et Johan Micou. Mais là, je regarde l'équipe de Monaco contre laquelle on prend 6 buts. Bon, ça fait peur. Hein. Ils ont Tony Anderson qui nous en met 4. Bon, Tony Anderson, je pense, c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants des années 90 dans le championnat et du début des années 2000, si ce n'est le meilleur.
Il y a quand même, ils ont Victor Ikpeba, Youri Djorkaeff, s'il te plaît. Défense solide, hein. Ça bouge pas trop. Dumas, Grimandi, Thuram, Blondo. Ah oui, ça va. Et ils ont le jeune. Ça bouge pas, c'est du solide. Hein. Et ils ont le jeune Sylvain Ligvinsky au milieu défensif qui viendra faire le bonheur de Bordeaux par la suite. Tout comme Surnommé le Patrick sécateur. Blondeau. Ouais. Tout comme Blondeau en Ouais, 92. Patrick Blondeau, ouais, qui était resté 6 mois avant de partir chez l'ennemi, donc lui ne m'intéresse pas. Tout à fait. D'ailleurs, moi, je faisais des cauchemars de Dan Petersen. Je me rappelle, dès que je le voyais sur le terrain, je sentais le but arriver pour Monaco, quoi. C'était l'horreur, quoi, ce mec. Dan Petersen. Tu veux en parler? Ça y est, j'ai exprimé mon mal-être. Ok. Et là, suite à cette belle performance, eh bien, il faut faire quelque chose. Tony est remercié suite à ce match. Donc début mars, non, fin mars, pardon. Et Eric Guérit, joueur de l'effectif, donc le Niortais, milieu de terrain de Bordeaux depuis 1992, ancien joueur de Angoulême, des Chamois Niortais, de l'OGC Nice, de l'AS Monaco et de l'AS Cannes, eh bien, il prend le poste d'entraîneur principal de l'équipe. Il avait très peu joué cette saison. Eh bien, il va vraiment. Il faut remercier. Très très bonne décision. Espérons que ça va être la même chose pour Riera là, pour nous. Et en tout cas, il va faire une très belle fin de saison. Le 1er avril 1995, Bordeaux gagne 1 à 0 contre Bastia. Ensuite, Bordeaux va gagner à Metz. Puis il fait match nul contre Lyon. Lyon qui fait une très bonne saison cette année-là. Et qui va être très bien classé, ce qui à l'époque n'était pas si fréquent. Et donc, on arrive le dimanche 23 avril, où se déroule le premier tour de l'élection présidentielle pour choisir notre chef de l'État pour les 7 prochaines années. Et ce sera une compétition entre notamment Lionel Jospin, Jacques Chirac, Édouard Balladur, Jean-Marie Le Pen ou encore Robert Hue, voilà, pour les différentes tendances politiques. Et donc c'est Monsieur Lionel Jospin, représentant le Parti socialiste, qui arrive en tête au premier tour, devant Monsieur Jacques Chirac du Rassemblement pour la République. On a hâte de connaître le résultat du second tour. Ça va venir, les amis, ne vous inquiétez pas. 34e journée, on perd à Auxerre 1-0. 35e journée, on bat Caen à domicile 2-0. Et le 7 mai en suivant, eh bien, c'est un dimanche. Eh bien, il faut savoir que 44 ans plus tôt c'est avant, hein, pas le chien de Mickey. 44 ans plus Ah, pardon, tôt, tu me rassures. 44 ans plus tôt, en 1951, Bordeaux avait remporté son premier titre de Coupe 41. de France. Ouais. 51. Non, 51, pardon, je ne sais 51, pas compter. Mais 51, c'est ouais. pas 51. Bordeaux avait grave. OK. remporté son premier titre de champion de France. C'était la première fois qu'une équipe promue remportait le championnat de France. Et ce jour-là a lieu le second tour de l'élection présidentielle entre Jacques Chirac du RPR et Lionel Jospin du Parti socialiste, soutenu par le Parti radical et le Mouvement des citoyens. Et donc c'est Monsieur Jacques Chirac qui devient président en lieu et place de Monsieur François Mitterrand. Voilà, fin de la parenthèse. J'avais pas une photo d'ailleurs aussi. Ah voilà, oui, j'avais quand même voulu illustrer cette belle photo d'un militant trotskiste qui colle son affiche lutte ouvrière. Ah mon Dieu, c'est beau quand même hein, la communication. Ah, c'est Et beau. si tu regardes bien sur l'affiche de Chirac, il y a un pommier. C'est d'où manger des pommes, des guignols, qu'il avait fait remonter sa côte, enfin qu'avait accru sa côte de popularité auprès des Français. Le célèbre manger des pommes. Oui. Tu te souviens de ça dans les Ah guignols? oui, tout à fait. Ouais. Et tout à fait. Et il y avait la fracture sociale, le thème de la fracture sociale. Jacques Chirac, il voulait lutter contre. Ouais. Ça a marché. Ça a bien marché. Ouais. Merci à eux. Merci, dédicace à vous, les gars. Bah, finalement, il n'y a que lui qui est Changez mort. pas, continuez. Il n'y a que Jacques Chirac qui est Bah, mort. Les Mitterrand autres sont aussi. toujours là. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des nouvelles de Robert Hue? Est-ce qu'il a toujours un Bézenville et une barbe soigneusement taillée?
Un collier, ouais. J'ai pas de nouvelles. Par contre, je vois qu'il y a Jacques Cheminade aussi qui était déjà candidat, on s'en souvient, à côté entre Ah Lyon oui, et bah, oui. Paris. Est-ce que tu penses qu'il avait projet d'aller sur la Lune à l'époque, déjà? Je ne sais Ou dans pas, mais en tout l'espace? cas, oui, communiquer avec des esprits, oui, sûrement. Bon, en tout cas, voilà. Pour fin de la parenthèse politique. Ensuite, on enchaîne. Eh bien, oui, le 20 mai, 36e journée. Nous gagnons à Lille. Non, pardon, nous perdons à Lille 1 à 0. Puis nous allons battre ensuite en enchaînant. Bah, nous battons Paris 3-0 et nous gagnons à Nice pour la dernière journée 2 à 0. Donc très belle fin de saison des Girondins. Nantes est champion avec 79 points. Alors on va mettre le classement. Nantes est champion avec 79 points, 12 points devant Lyon. Et puis suivent le PSG Auxerre et Lens, Monaco. Bordeaux est donc 7e avec 57 points. Et se qualifie pour une nouvelle compétition. Non, plutôt une compétition relancée pour cette saison. Relancée en cette saison, enfin en la saison suivante. L'UEFA Intertoto Cup, qui se jouera pendant l'été. Donc, quand on dit que Bordeaux n'a jamais remporté de titre européen, eh bien c'est faux. Vous pouvez leur parler de cette Coupe Intertoto et les renvoyer dans leur Et saison. je précise aussi que je précise aussi que Bordeaux n'est pas le seul club à avoir gagné une Coupe d'Europe, puisque Troyes, Metz et le Bastia. Paris Saint-Germain l'ont également, Bastia bien sûr, l'ont également remporté. Donc France, palmarès européen, la France a un palmarès européen très riche, hein. Ne Tout à croyez pas ce fait. qu'on vous dit. Donc voilà, ne croyez pas les médias souvent possédés par des étrangers qui cherchent à dévaloriser notre football. Eh bien, Et possédé par le diable, bien sûr. voilà. Et donc, au rayon des bilans joueurs, ben Valdeir. Le sympathique Valdeir termine premier et meilleur buteur du club avec seulement 12 buts en compétition. Oui, c'est pas énorme. Dugarry, donc, en a marqué 11. Puis vient Zidane et Bancarel avec 8 buts. Fournier, 5 et Istiol, 4. Voilà, donc on arrive à la fin de cette saison. Les joueurs partent quelques jours en vacances pour un repos bien mérité, mais quelques jours seulement, puisque. Pendant que les dirigeants engagent le Serbe Slavoj Ljub-Muslin pour devenir l'entraîneur de la saison 95-96, eh bien, les joueurs se reposent. Voilà, ils vont reprendre début juillet la Coupe Intertoto. Le 11 juin ont lieu les élections municipales et c'est Alain Juppé qui remplace Jacques Chaban-Delmas, l'inamovible maire de Bordeaux depuis, je ne sais plus quand, 1945 peut-être. Donc voilà, Alain Juppé devient maire de Bordeaux. Il a déjà été élu, enfin désigné Premier ministre quelques semaines plus tôt. Voilà. Donc le 12 juin, Bordeaux, le stade municipal de Bordeaux fête ses 56 ans d'existence. Voilà, le 12 juin 1994. Il a été créé donc en 1938. Et la saison Pour la suivante. Coupe du Monde, Ah oui, pour la Coupe du Monde qui avait eu lieu en France. voilà, tout à fait. Et donc voilà, la saison 95-96, l'équipe gardera les mêmes maillots que la saison précédente. Didier Sénac quitte les affaires après 8 ans au club, il part à Toulouse. Lionel Pérez part à Laval. Valdeir est prêté à Fluminense au Brésil. Jean-François Daniel va à Nice. Youssouf Fofana part à Al Nasser Riyad en Arabie Saoudite. Laurent Fournier Un retourne à Paris. précurseur. Oui, voilà. Oui. Laurent Fournier part à Paris. Et il y aura d'autres changements, notamment Didier Tolo arrive en tant qu'attaquant. Franck Fontan va monter en grade deuxième gardien. Mirza Varezanovic, 21 ans, un espoir bosnien en défense centrale. Vitsgueux est de retour de son prêt à Blackburn. Oui, j'avais oublié de dire que Vitsgueux a été prêté à Blackburn en janvier. Et il est de retour auréolé d'un titre de champion d'Angleterre avec Alan Shearer. Ah, mais c'est vrai. Et il a joué qu'un C'est seul vrai, c'est match, vrai. Et Chris mais c'est pas Sutton, grave. ouais. Il a la médaille. Voilà, c'est un peu je sais pas moi, le Bernard Diomède, Oh non. le Lionel Non. Charbonnier. Oui, voilà. Non, Vitsgueux était meilleur que Non, parce que Diomède. ça. Arrête.
Tu te souviens qu'aussi en 95, il y a un certain joueur danois, Jacob Friis-Hansen, qui vient de Lille et qui signe à Bordeaux. Oui, mais ça, c'est en cours de saison. Ça sera la prochaine, oui. Ah, Il n'arrive pas au début de la pardon. saison. Ouais, il arrive au cours de la saison. Ah ouais, Enfin, à ok. vérifier, mais quand on fera la saison là à 95, mais je crois que oui. Je crois qu'il n'est pas là au début. Enfin bon. Ok. Autant pour Fact-checking, moi. oui, Didier Pin, si vous m'entendez. Reste poli, s'il te plaît. Alors donc la saison commence le 1er juillet. Bon, là, je fais juste le début, hein, vous t'inquiète, c'est fini. La saison donc suivante commence le 1er juillet en UEFA Intertoto Cup à Lejsku devant 3000 personnes. L'IFK Norrköping, un club suédois fondé en 1897 qui joue en blanc et bleu. Et Slavojub Muslim, plus facilement intitulé, enfin appelé Slavo Muslin, aligne Huard, Prunier, Dogon, Fournier, Crossi, Lizarazu, De Blasis, Dutuel, Zidane, Tolo et Dugarry. Thierry Roland et Pascal Praud sont en tribune de presse pour commenter cette joute sur la première chaîne et qui se clôt par une victoire 6 à 2 de notre équipe favorite. Mais c'est une autre histoire. Voilà, fin de ma présentation. Bravo. Alors j'ai une question. C'est cette saison-là que tu as vu ton premier match à l'Escure? Oui, tout à fait. Oui, je crois bien que c'était contre Montpellier. Si je me Oh souviens. là Je dois avoir le billet, peut-être encore chez ma mère. là. Donc c'était genre peut-être fin d'année, quelque chose comme ça. Il devait faire froid. C'était la Non, c'était 20e pas. journée. Ouais, c'était au début. Non, ouais, c'était. Ah oui, fin d'année, tu veux dire. Oui, fin d'année civile. Ouais. Oui. Alors, sache que tu as vu jouer trois futurs Bordelais, quatre futurs Bordelais. Sauras-tu me les citer à Montpellier? Alors, Bonicel. Ouais. Après Bonicel, Rouvière. Indice. Oui, Rouvière qui est arrivé à Bordeaux en 10 ans, souviens-toi, en 99. Je me donne 3 mois pour intégrer l'équipe de France. Bon, bah, il a eu 3 mois pour intégrer la CFA. Mais bon. Autre, un attaquant qui est toujours debout. Non, Ah bon? Qui joue encore? Ah non, oui, tu veux dire qui est. non, qui est toujours, non, Ah, qui est toujours debout. Christophe Sanchez. Allez, hop. Et le troisième, enfin le quatrième, pardon. Belle frappe de balle. Et belle brosse aussi, belle coupe de cheveux. Pierre. Ah non, Pierre Laigle, non. Mais non, Non, c'est. pas Pierre Laigle. Je Non, savais que tu allais dire ça. je sais pas. Hervé Alicarte. Ah oh, bah oui, c'est vrai, le Perpignanais en plus. Oh, j'aurais dû savoir, c'est un cousin. Ouais. Un cousin éloigné. L'élégant catalan, comme disait Thierry Vautrin. Voilà. Ah ouais. Donc tu as des souvenirs, tu as des souvenirs de ce match-là ou. Non, j'étais en tribune de face, mais bon, ben, il y avait Zidane et compagnie. Mais sinon, non. Non, non. C'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs. Non. Il faudrait que je me plonge là-dedans, mais j'ai un peu oublié. Hein. Ben, il y C'est avait. possible aussi. Non, non, j'étais sur les côtés, ouais, j'étais. Tribune, mais non, D'accord. j'en dirai pas plus. Ne pouvant en dire plus. Ah, il y avait une petite chambrée, hein, 13 000 personnes seulement. Oui, c'est là qu'on voit que finalement, on vivait de grandes heures du club, mais c'était devant un confidentiel, hein, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs en général. Hein. Mais je regarde, il y a des matchs en 98-99, donc quand Bordeaux est champion. Pour la cinquième fois, il y a des matchs où il y a 18 000 personnes. Ça sonne creux dans l'Escure. Et surtout quand le public bordelais est assez frileux, donc quand tu rajoutes il fait froid, enfin tu rajoutes le froid et une équipe peu prestigieuse ou pas, qui n'a pas l'envergure du PSG, de Marseille, de Monaco ou autre, en général, tu as des petites affluences. Oui, c'est vrai que c'était souvent. Maintenant, finalement, il y a beaucoup plus de ferveur populaire, quoi. Enfin, de ferveur Et populaire. tu parlais du match. Enfin oui, c'était disons de suivi. Là là, ce Donc poster. une saison c'est magnifique. Une saison 94-95, mi-figue, mi-raisin en Dancy, de parce que le club finit 7e au final. Ouais. Oui, finalement, c'est une bonne saison.
Enfin, c'est pas catastrophique. Non, ça aurait pu être pire, parce qu'il y a quand même des résultats, des enchaînements de résultats négatifs. Ça arrive plusieurs fois dans la saison, avec ce point culminant, la déculottée 6-3 reçue à Monaco. Mais l'arrivée de, enfin la nomination de Éric Guérit nous a permis d'achever la saison de manière convenable, on va dire, satisfaisante. Pas convenable plutôt, parce que on fait quand même, regarde, si tu veux, il est nommé, En tu te souviens mars. du moment de la journée en mars. Oui, Donc ça en doit être mars. après le match Après à. Monaco. Après Monaco. Ok. Donc on enchaîne Bastia 1-0, Metz 3-2, on fait match nul face à Lyon, on perd à Auxerre, on gagne face à Caen, on met une pâtée au PSG et on gagne 2-0 à Nice. Donc on fait une fin de saison plutôt pas mal. Et on peut dire merci à lui. Ouais, c'est vrai. Ça a été une bonne décision de la direction. Espérons qu'il en sera de même cette saison-là, quoi, avec Riera. Écoute, j'espère que ces actes vont suivre ces paroles. Oui, voilà. Il a l'air enthousiaste, pourvu que ça dure. Après, Oui, ne sois j'espère qu'il pas. va réussir à, grâce à sa motivation, il va réussir à emmener le groupe. Bon, mais après, est-ce qu'il n'a pas un profil trop joueur par rapport à la Ligue 2 où il faut, comment Ouais. dire, aller dans le combat, être solide. Bon, écoute, Ouais, wait and c'est see, vrai. comme disent nos amis. Nos Et amis. oui, dernière chose, je reviens sur le. D'autres Kévin, pas du tout. Je reviens sur le Bordeaux-Martigues, là. Tu me dis que Didier Tolo marque un but, mais tu oublies de préciser qu'il y a Ali Benarbia qui joue à Martigues. Ouais, Bernard Bia, ouais. Ce qui explique Ali Benarbia. Oui, c'est ce qui explique la performance monumentale des Girondins, de faire un partout contre une équipe pareille. Attends, non, Rappelle-toi. Martigues, il flirte avec l'Europe à un moment, hein, c'était dans ces saisons-là. Bah, est-ce que tu as vu l'équipe qu'ils ont? Il y a Ali Benarbia, Didier Tolo et l'inénarrable Maurice Bouquet, souviens-toi, qui avait fêté son jubilé contre Bordeaux d'une frappe flottante des 53 mètres, mal repoussée par Huard dans ses buts. Non, ils ont une belle Te équipe, hein. souviens-tu de ça? Éric Durand, très bon gardien de club de cette époque. Thierry Rabat qui jouait aussi à Lille à un moment. Je crois. Patrick Kolo, qui Patrick serait Kolo. le bonheur de Lille aussi. Et un bon joueur. Non, non, ils avaient un bon amalgame qui avait été réalisé. Ouais. Didier Dubois, à ne pas confondre avec son homonyme de ISS Pro, le jeu Didier de Dubois. football. Ouais. Il y avait un Dubois, pas mal. c'était qui? Didier Dubois, non, mais c'était un défenseur, je ne connais pas, mais il y avait un joueur dans le jeu de foot légendaire ISS Pro, l'ancêtre de PES, qui s'appelait Didier Ah oui, sur Dubois. Super Nintendo. Ouais, Didier Dubois, dans l'équipe de France. Oui. Voilà. Bon, bah, Pierre, bah, là, ça va bientôt. Bon, on a quelques minutes encore Couper à pour. nouveau. Si tu veux rajouter Ouais. une petite pensée. Bah écoute, je vais te remercier parce que cette saison, je ne l'ai absolument pas suivie. J'étais pas encore dans le foot et supporter des Girondins. J'étais pas mon supportariat n'avait pas encore été enclenché Personne par n'est ma première parfait. visite à l'Escure. C'est vrai. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci pour ces informations, ces détails et avoir partagé ton expérience. C'était une présentation dont le format me convient parfaitement et que je vais utiliser lors de notre prochain épisode. Voilà. Et merci au site la légende des girondins.com, hein, puisque là. Comme ça, on a pu avoir un support image pour la vidéo. Alors, un site qui utilise apparemment un logiciel de 1997, mais qui est très précieux, hein. Ouais, j'aime bien le web 1.0, c'est finalement c'est reposant. Ouais. Allez, Windows 3.1, 95, 98. Oui, c'était toute notre jeunesse. Lady Di est morte apparemment. Il paraît? Ouais, j'ai entendu Enfin, je ça sais sur pas, j'ai mon. J'ai eu entendu un ça. message sur mon. J'ai eu un message sur mon tatou. J'attends qu'on me rappelle pour me le confirmer. Bah, achète Paris Matin et tu verras, ils en parlent.
Ouais, mais il sort mardi prochain. Il sort mardi prochain en 8. Donc on verra. J'attendrai. Bah, tu mets la 5 et ils en parlent aussi. Ouais, ok. Bon, ouais, je sais pas si tu connais, il y a un petit groupe qui s'appelle Oasis, qui vient de sortir un album là. Ils sont pas Non, très moi, connus. l'Oasis, je le bois, moi. Je... Ok. Sur cette belle parole et sur cette blague de bon aloi.